Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir pour votre émission confidentielle. Voilà, moi je vous attendais, j'étais vraiment impatiente d'être avec vous, de vous retrouver. Vous connaissez notre numéro, c'est le 3255 avec la touche 2. En faisant ceci, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple, vous pouvez passer en direct. Vous venez me confier vos problèmes, vous venez me confier les misères de la vie en fait. Et ensemble, nous allons trouver des solutions. Nous allons essayer de répondre à vos questions. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous. Je suis Samaëlle. Vous me connaissez maintenant puisque je viens régulièrement vous retrouver. Alors, ce soir, je crois qu'il y a quand même de la place. Vous avez vu, hier, ça s'est super bien passé. On ne vous a pas fait attendre du tout. J'ai même eu des téléspectateurs et téléspectatrices qui ont pu appeler deux fois durant l'émission. Ça veut dire que, vous voyez, il n'y a pas autant d'attente que ça. Vous n'oubliez pas que si vous appelez de la Belgique, le numéro est un petit peu plus long et surtout d'un poste fixe, vous appelez le 0900 88 126. Voilà, nous sommes ensemble pour parler des tarots, parler de vous surtout. Et moi, j'ai un rêve en fait ce soir, je vous le confie, c'est de vous voir repartir comme ça chez vous, le cœur léger, le cœur plus tranquille, plus serein et en tout cas certain d'avoir les outils pour prendre les bonnes décisions. Alors voilà, j'ai peut-être tout de suite quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Je suis Eliane. Eliane, d'accord. Bonsoir Eliane. D'accord. Votre date de naissance, Eliane ? 6 mars 36. 6-3-36, d'accord. Et alors, votre question, quel est le souci, alors, Eliane ? Voilà, je vous ai eu le mois passé. Oui. Et vous m'aviez dit que j'allais rencontrer quelqu'un fin mars du mois d'avril. Mais j'aimerais bien savoir un peu plus. D'accord. Parce que, en principe, je devrais avoir une construction le 10 juin, mais je voudrais savoir... ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans la vie, quoi. D'accord. S'il est vraiment seul, s'il a des enfants, c'est... Voilà. Voilà, c'est ça. On va essayer d'aller voir ensemble ce qui se passe. Voilà. Alors, bon, déjà, j'ai une première carte qui m'annonce bien qu'effectivement, c'est la carte du jugement, voyez-vous. Le jugement, c'est quoi, Eliane? C'est, waouh, ça y est, je renais, je sors de terre, d'accord? Donc, ouais. C'est une belle carte. Hein. C'est une carte qui montre que, effectivement, la vie vous réserve une surprise et une surprise agréable après des épreuves. Hein, parce que, bon, je crois que vous avez eu votre lot périodes très douloureuses, très difficiles. Là, vous êtes sur une phase complète de grande transformation. D'accord ? C'est-à-dire, c'est vraiment une phase qui marque la fin de la solitude. Voyez-vous, hein, donc vraiment vous rentrez, vous commencez tout doucement à rentrer dans ce renouveau, voyez-vous. Alors, c'est vrai que ce que l'on me dit, ce que l'on m'indique dans mes tarots, c'est que vous avez, vous, des choses à faire pour ça. Mais vous le savez bien, hein, on est bien d'accord, vous savez très bien que là, il va falloir un petit peu bouger. Alors, je ressors la papesse, donc moi, on m'indique, si vous voulez, qu'effectivement, avec le battleur, eh bien, vous sortez de votre solitude pour rencontrer un homme. Alors, moi, on me le sort très actif. Ça ne veut pas dire qu'il travaille encore, si vous voulez. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne reste pas en place. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui bricole, c'est peut-être quelqu'un qui s'active de droite, de gauche, qui fait peut-être partie d'associations ou d'associations, je ne sais pas, est-ce qu'il anime un club, est-ce qu'il fait des choses comme ça. C'est possible. Et je ne le connais pas. Alors écoutez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne le connaissez pas sur le plan amoureux. Oui, oui, voilà. Voilà, sur le plan amoureux. Mais si ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre environnement. Ça, c'est possible.
D'accord, ça c'est possible. Alors, avec le battleur et l'établi, si vous voulez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà des acquis, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sans doute qui a eu une famille, d'accord, qui retrouve seul aujourd'hui. C'est un homme qui est complètement libre, hein, j'insiste. D'accord, hein, Eliane. Le battleur, c'est un homme bien libre, si vous voulez. Et j'ai la carte du monde pour couronner ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à la fois d'indépendant, d'accord. Donc ça, c'est bon pour vous, parce que c'est quelqu'un d'autonome. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une femme pour faire la cuisine, si vous voulez, Eliane. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Il ne recherche pas une femme de ménage à la maison, voyez-vous. Hein, je ne comme pourrais pas d'ailleurs. Non, mais hein, j'entends comme certains hommes, vous savez, qui confondent un petit peu l'amour et les travaux pratiques, oui, oui, quoi, voyez. Eh bien là, non, là, c'est donc un homme autonome, libre, indépendant, très actif, si vous voulez, qui aura envie avec vous de bouger, de faire des petits voyages, des déplacements, des choses comme ça. D'accord. Donc il sera libre de ses gestes, quoi. Il ne travaillera plus, il n'aura pas de fonction de... Non, il ne travaille plus. D'accord. Non, quand parce même. Que là, non, je connais quelqu'un qui... Oui. Bon. Eh bien. Mais il travaille encore. Bon, eh bien, en tout alors, cas... C'est pas la peine. Alors, mais ça dépend, parce que celui-ci est très actif. Alors, peut-être que celui que vous connaissez, il est peut-être à cheval, ou est-ce qu'il a dépassé le temps où il devait peut-être s'arrêter. Il va peut-être bientôt aller à la retraite, mais bon. Je ne sais pas. En tout cas, c'est tout proche. Alors, regardez ça sous couveuse quand même. D'accord, Eliane ? Est-ce que vous pouvez me dire s'il est dans le médical ? Non, Eliane, alors, ça, je ne peux pas du tout. D'accord ? Non, ce n'est pas ça. Alors, Eliane, dites-moi un chiffre pour la carte mystère que j'ai mise de côté. Vous allez peut-être remporter les 10 minutes de consultation gratuite. Je vous le souhaite, en tout cas, Eliane. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Alors, disons le 17. Non, ça n'est pas le 17, ça n'est pas le 3. Eliane, je vous dis à bientôt, je vous fais un gros bisou. Moi aussi, je suis heureuse quand même. Ah, très, ça va être vraiment sympa, vraiment. Vous êtes de tout mon cœur. Et vous me tiendrez au courant, d'accord? Oui, alors. À bientôt, Eliane. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Voilà, c'est du pur bonheur, ça, ces petits moments-là, ces petits moments d'intensité que je partage avec vous. 32-55, la touche 2, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'attente, hein, donc c'est très très facile de pouvoir passer à l'antenne ce soir. Et d'ailleurs, je crois que j'ai tout de suite quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô. Je vous entends très mal. Allô, bonsoir. Moi, je vous entends, j'entends une voix en tout cas qui me parle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est votre prénom ? Nelly. Oui. Nelly, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13-11-28. 13-11-28. D'accord. Le 13 novembre 1928. D'accord. Nelly, alors quel est le souci, dites-moi ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Comment ? Qu'est-ce qui vous préoccupe, Nelly ? Oui, je voudrais savoir sur mes finances, parce que c'est pas la joie. D'accord. C'est l'argent, les sous, hein, c'est ça, Nelly ? Oui. D'accord. Et je vous entends très mal. Hein. Vous m'entendez mal. Oui, vous êtes loin. Bon, attendez, je vais essayer de m'approcher de vous, Nelly. D'accord ? Oui. Bon, écoutez, Nelly, moi, franchement, là, je me dis que même si c'est difficile, vous arrivez à gérer tout ça quand même, Nelly. Hein ? Vous voyez ? Vous arrivez à gérer tout ça. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez aidé quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai. C'est ça, hein, parce que vous voyez, j'ai de l'argent qui est sorti, mais ce n'était pas que pour vous, Nelly. Mais non, puis c'est pas ça rentrant. Hein. Eh bien oui, mais là, faut arrêter maintenant, Nelly. D'accord ? Mais je fais plus. Hein, voilà, il faut plus du tout, hein, parce qu'autrement, vous n'allez pas y arriver, par contre. Hein ? Et aider, c'est bien, mais il faut garder quand même pour vous, d'accord ? Et là, moi, je vois un équilibre retrouvé, Nelly. Vous voyez, j'ai l'équilibre qui est là, le battleur qui est une très bonne carte. Donc, écoutez, moi, je vois que vous allez arriver quand même à joindre les deux bouts et que, ma foi, eh bien oui, c'est vrai qu'il faut maintenant penser à vous et à vous personnellement, Nelly. Est-ce que je vais gagner au loto ? Non, je ne vois pas de choses comme ça. Je ne vois pas de choses comme ça, Nelly. Je ne vois pas ça. Il n'y a pas d'aspect, si vous voulez, de grande chance. Par contre, je dirais, je vois une pleine forme pour vous. D'accord, Nelly ? Hein ?
Mais Nelly, vous êtes toujours là? Oui, oui, oui. Ah, d'accord, d'accord. Hein? Donc, si vous voulez, vous avez quand même là, je dirais, la chance de pouvoir arriver, bon an, mal an, à joindre les deux bouts. Mais surtout, surtout, maintenant, je vous donne le conseil de penser à vous. D'accord? Oui, Nelly? Bien sûr. Hein? Alors, vous D'accord. allez me donner le chiffre peut-être de la carte mystère et en attendant de gagner autre chose, peut-être remporter cette consultation gratuite de 10 minutes avec un voyant ou une voyante. Nelly, un chiffre de 1 à 22. Combien de chiffres? Un chiffre, un seul chiffre, Nelly. Un seul, bon. De 1 à 22. Choisissez. Le 13. Non, ça n'est pas le 13, Nelly. Ça n'est pas le 13. Bon, je vous souhaite une belle soirée, Nelly. Merci. Je vous embrasse. Et au revoir. Au revoir, Nelly. Ah, le loto, c'est le grand rêve, hein, le loto. Ah là 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 là. Alors, le 3255, la touche 2. Donc, là, tout de suite, franchement, si vous appelez, je peux vous l'assurer, vous passez immédiatement le temps de décrocher votre téléphone et je suis là pour vous. Je suis Samaëlle, votre voyante, votre astrologue, et vous savez que vous pouvez également, si vous ne souhaitez vraiment pas passer à l'antenne, vous pouvez toujours appeler le 01 75 75 10 10 et passer avec le voyant de votre choix. En ce qui me concerne, je serai en dehors de l'antenne avec vous. Mon code, c'est le 18 76 et là, sur la plateforme, vous savez que vous pouvez aussi me consulter. Alors, si vous appelez de Belgique, je vous rappelle ce numéro à composer, c'est le 0900 88 126. Voilà. Alors, pour les tarots, comment ça se passe? Eh bien, c'est simple, si vous voulez. Ces cartes sont des symboles et elles me mettent directement en relation avec vous, immédiatement en relation avec vous. Voyez-vous, il suffit simplement que vous appeliez, passez un petit coup de fil, vous passez en direct sur l'antenne et là, eh bien, votre problème, nous le décortiquons. Je le décortique pour vous avec mes tarots, avec la médiumnité. Voilà, et tout de suite, je vais prendre un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, quel est votre prénom? Valérie. Valérie, d'accord. Votre date de naissance, Valérie? Le 9-3-60. 9 mars 1960. Ben, l'anniversaire, c'était non. Quand même... C'est ça, Valérie, 9-3-1960? Oui, le 9 mars 60. 9 mars. Je me dis, l'anniversaire, c'était il n'y a pas très longtemps, quand même. Oui, tout à fait. Hein, voilà, on peut encore dire bon anniversaire, ça fait même pas un mois, franchement. Dites-moi, Valérie, quel est le problème, quel est le souci? Je voudrais savoir ce que vous voyez avec Olivier, qui est né le 1er mai 69. Le 1er mai 1969 pour Olivier, hein, c'est bien ça, Valérie? Oui. Alors, je bats mes cartes et nous allons ensemble voir ce qui se passe pour Olivier et vous. Bon, la première carte, c'est pas terrible, hein, Valérie, d'accord? Alors, Olivier avec le fou, le mat, la maison Dieu, la lune, qu'est-ce que ça me dit, ça, si vous voulez? Ben, ça, c'est pas très facile, si vous voulez. Ça me donne un homme très hésitant. Avec, je dirais, la tête complètement embrouillée, voyez-vous, Valérie? Comme oui. Si, pour le moment, Olivier n'était pas capable de prendre une décision et de trancher. Tout est flou pour lui, Valérie, voyez? Et si vous voulez, sa technique à lui, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu de partir, de fuir. Par ailleurs, à mon avis, Olivier, il est ou contrarié ou très, très en problème par rapport au travail. D'accord? Oui. Donc, je le vois avoir une attente par rapport à ça, ou des soucis matériels, voyez-vous, Valérie? Et ça aussi, ça l'empêche d'être vraiment disponible. Mm-hmm. Donc, il est avec quelqu'un, hein? Oui, mais en plus, je vous dis, en plus, il y a des soucis matériels. Hein, je vous ai dit, il n'est pas disponible, mais en plus, il a des soucis matériels. Rien pour arranger la relation avec vous, hein, Valérie. D'accord? Est-ce qu'une rupture définitive? Avec vous ou avec l'autre compagne? Avec moi, parce que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Écoutez, moi je n'y crois pas du tout à cette relation, Valérie. Du tout. Mm-hmm. Du tout. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui semble
pour le moment complètement hors de votre vie. Complètement hors de votre vie. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, Valérie. Voyez-vous, vous avez, vous, un chemin là qui est en train de se préparer, j'ai la tempérance. Mais franchement, ça n'est pas avec lui, Valérie. D'accord. C'est quelqu'un d'autre. Hein. Là, avec la lune, c'est dans votre tête que la relation existe, Valérie. Mm-hmm. Hein. Arrêtez ce chagrin inutile. Franchement, c'est pas quelqu'un qui mérite votre chagrin. Hein. Il est peut-être temps de passer à autre chose. J'ai la tempérance, Valérie, et l'étoile, franchement, qui arrive. Alors, vous croyez que ça vaut le coup de rester sur une attente complètement chimérique, là ? Vous me voyez rencontrer quelqu'un d'autre ? Oui, c'est ce que je vous dis. J'ai la tempérance et l'étoile. Mais ça n'est pas du tout Olivier. Mmh. Donc, il faut impérativement, pour pouvoir faire cette rencontre, Valérie, mais il faut absolument couper les ponts dans votre tête avec Olivier. Mmh. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, la rencontre est possible. Valérie, vous allez me donner un chiffre de 1 à 22 et tenter de remporter la carte mystère et donc, bien entendu, les 10 minutes de consultation gratuite. Le 18. Non, ça n'est pas le 18, Valérie. Bon. Valérie, vous me tiendrez au courant, d'accord ? Oui, merci. Je vous embrasse. Bon courage, Valérie. À bientôt. Il est 21h46, voilà, nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après au 32-55. Vous avez vu, on passe très très vite ce soir, hein. Pas d'attente. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 32-55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous sommes ensemble pour un bon petit moment ce soir. Et je vous ai dit, hein, franchement, vous pouvez appeler le 3255. Je vous prendrai très, très rapidement, tout de suite, presque. 3255, la touche 2. Voilà. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Martine. Martine. Martine, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 14-07-56. 14 juillet 1956 ? 56. D'accord. Vous avez la voix bien chantante. Vous nous appelez d'où, Martine ? De l'Aude. De l'Aude. Oh, quelle jolie région, l'Aude. Oui. Narbonne, Béziers. Non, Béziers, c'est le 34. Voilà. Carcassonne. Carcassonne, d'accord, un petit peu plus. Oui, parce que Béziers, c'est le 34. Hein, ce n'est pas la même chose. Voilà. Voilà. Hein, on est tout proche, mais on change de département. Dites-moi, quel est le problème, Martine ? Alors, je voudrais savoir si la situation financière va s'arranger, la situation du couple. D'accord. Alors, là, j'ai le battleur. Le pendu, bon, c'est un petit peu difficile, ça traîne un peu. Malgré tout, très bonne carte qui arrive. Oh, ben écoutez, là, oui, là, j'ai franchement des bonnes nouvelles à vous donner. Qu'est-ce qui se passe ? D'une part, j'ai le battleur. Le battleur, c'est le travail. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui va se passer que vous attendez par rapport au travail, Martine. Donc là, moi, je ne travaille pas, c'est mon mari. Eh bien, il y a peut-être quelque chose pour vous. Il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à vous. Une petite activité, quelque chose. Parce que là, le battleur, c'est sur vous, hein, le tirage que je le fais. Ah, d'accord. D'accord ? Donc moi, je vois quelque chose qui pourrait vous concerner, vous, Martine, et qui pourrait vous permettre peut-être un petit quelque chose que vous pourriez faire peut-être de la maison. Pourquoi pas ? Oui. Hein, moi, je vois ça, si vous voulez. C'est quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement, d'accord ? Oui. Avec le battleur et aussi avec quoi ? Avec la tempérance. Par ailleurs, pour votre mari, moi, j'ai la carte du pendu. Le pendu, c'est quoi ? C'est on attend que quelque chose s'améliore. On attend que des étapes se franchissent. Et à côté, j'ai la force, la maîtrise de la situation. Donc, écoutez, moi, pour moi, ce sont des cartes qui sont... certes, d'attente n'est pas très facile, mais en tout cas des cartes qui assurent d'un résultat positif. Ça veut donc dire que la situation, vous allez sortir la tête de l'eau, voyez, hein, et la situation va, eh ben oui,
tout doucement s'améliorer, tout doucement évoluer. Le battleur, c'est une carte positive. La tempérance, c'est une carte de grande protection. Et la force, ça veut dire qu'on a à la fois la volonté, le courage, la maîtrise de la situation. Bon, je pense que vous êtes une très bonne gestionnaire, Martine, en plus. Oui, je sais. En plus, ça, voilà. Non, vous êtes quelqu'un vraiment qui savait bien compter, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dépens sur l'uberlu comme ça. Donc, moi, j'ai confiance sur cette période. Je vois une amélioration pour vous qui passe quand même par un petit job, par un petit quelque chose que vous allez créer chez vous. Voyez-vous, petite activité chez vous et qui rapporte, ma foi, qui vous aide, si vous voulez, à sortir la tête de l'eau. D'accord, Martine ? D'accord. Bon, Martine, vous allez me donner le chiffre, j'espère en tout cas, de la carte mystère. Allez-y, pour peut-être gagner la consultation gratuite, 10 minutes quand même de consultation offerte. Un chiffre de 1 à 22, Martine. Le 15 ? Non, ça n'est pas le 15, ça n'est pas le 15, Martine. D'accord. En tout cas, vous me tiendrez au courant, Martine ? Oui, bien sûr. D'accord. Et puis, pensez à ce que je vous ai dit par rapport à peut-être cette petite activité. Je crois qu'il y a un savoir-faire que vous avez et que vous pouvez facilement développer chez vous. D'accord. D'accord ? Pensez-y. D'accord. À bientôt, Martine. À bientôt. Merci, Samaël. Au revoir. Au revoir. Il est 21h51. Voilà, et vous pouvez encore appeler le 3255, c'est facile, rapide, et puis pour nos amis de Belgique, eh bien vous composez tout simplement le 0900 88 126 d'un poste fixe par contre. Voilà, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Evelyne. Evelyne, oui. Et je suis née le 15 avril 1952. 15, 4, 52. Donc, vous, l'anniversaire n'est pas passé, mais il est pour bientôt. Bientôt. Et voilà. Voilà. J'ai une amie qui est bélier aussi, donc forcément, hein, j'aime bien le mois d'avril. Voilà. Oui. Alors, dites-moi votre problème ce soir. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne ? Alors, on a une maison à vendre. Oui. Et j'aurais voulu savoir si ça allait se faire. Quoi. Si ça allait se faire, d'accord. La maison à vendre. Alors, déjà, avant de sortir les cartes, ce que je peux vous dire d'un point de vue de l'astrologie, si vous voulez, c'est que vous avez quand même actuellement, vous, le soutien d'une planète qui est déclencheuse d'événements, c'est Uranus, d'accord ? La planète Uranus est en train actuellement d'activer la partie de votre soleil natal. Le soleil natal, ce sont les réalisations, c'est lié à la réussite, c'est lié aussi aux finances. Voyez-vous, c'est lié à ça. Et ça va prendre véritablement comme s'il y avait un gros tour de clé qui était mis pour ouvrir la porte, pour ouvrir la vanne. Quand ? Eh bien, la réalisation, de toute façon, c'est maximum à partir du 15 juillet. Ça va être entre juillet à peu près et la fin octobre pour vous, hein, pour avoir d'accord. De bonnes réalisations. On va regarder maintenant avec les cartes ce que ça donne. Alors, ici, j'ai le battleur, vous voyez Evelyne. Alors, vous attendez depuis déjà pas mal de temps hein, pour cette réalisation. Tout à fait, c'est un petit peu long. Ah, oui, moi, je pense que ça fait au moins 2 à 3 ans, voyez-vous, que c'est un petit peu en attente. Hein. J'ai le fou, le mat et le pendu, d'accord. Maintenant, la force arrive, d'accord. Protection, oui. Maîtrise. Hein, je pense que vous avez bien calculé le prix, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, tout a été bien cadré. Et j'ai le battleur, paf. Ça y est, ça part, vous voyez ? Donc, c'est effectivement le décantement. Alors là, vous allez avoir d'ailleurs très rapidement, il est possible que vous ayez là, courant avril, au minimum 2-3 belles visites. Courant avril. Très bien. D'accord ? Donc, vous allez voir, ça va vraiment se décanter. N'oubliez pas, Uranus est là, paf, ça y est, c'est le déclenchement des opérations. Jupiter lui arrive le 15 juillet en signe de feu et il l'envoie la vapeur pour que les sous rentrent ensuite, d'accord ? Ça veut dire qu'il y aura forcément un passage chez le notaire avant la fin d'année. Ça, c'est sûr, le déclenchement des opérations étant là, même s'il y a un compromis qui est signé dans les 2-3 mois, on sait que derrière, c'est effectivement la valeur sûre. Très bien. D'accord, Donc, ce n'est que du positif. Oui, là, c'est vrai. Vous avez suffisamment attendu, hein, je crois, franchement. Oui. Moi, j'ai une petite question. Il y a un point d'eau vers cette maison, vers ce mât ? Oui, c'est à côté de la mer. Ah, voilà, parce que je voyais le point d'eau qui était un atout majeur par rapport à la négociation. D'accord ? Oui, elle est à 300 mètres de la plage. C'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui va plaire, ça. Tout à fait.
Ok. Bon, Evelyne, vous me tiendrez au courant. Vous allez me donner, j'espère, le chiffre de la carte mystère pour remporter les, peut-être la consultation gratuite. Un chiffre demain à 22. Allez-y. Avec le 17. Ah, 17, l'étoile. Non, ça n'est pas ce chiffre-là, mais l'étoile, en tout cas, c'est prometteur de bonheur. Très bien. Bon courage, Evelyne. À bientôt. Merci beaucoup, Samaël. À bientôt. Tenez-moi au courant. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci. Ah, voilà, 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 Evelyne, l'étoile, quelle belle carte pour terminer cette consultation. Alors, si comme Evelyne et nos autres téléspectateurs et téléspectatrices, vous voulez passer tout de suite et très rapidement à l'antenne, je crois d'ailleurs que j'ai quelqu'un, le 3255 et la touche 2. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir, allô, allô. Oui, allô. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Marie. Marie. Marie, l'anagramme du verbe aimer, c'est joli comme prénom Marie. Hein. Dites-moi Marie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 7 septembre 72. 7-9-72. Voilà. D'accord. La question, qu'est-ce qui se passe Marie, dites-moi. Alors, je voudrais savoir si vous voyez une rencontre. Rencontre, d'accord. Une belle rencontre. Oui, ben oui, tant qu'à faire, hein. Les moches, voilà. On les laisse, hein. On n'en veut pas. Hein. Oh! Je sors deux cartes, regardez un petit peu Marie. Alors là, ensemble, hein, donc, vous savez, quand on, au niveau des tarots, lorsqu'on attrape des cartes, d'accord, ou qu'il y en a une qui tombe, on les regarde toutes les deux, même si on n'en veut qu'une. D'accord, c'est tout de suite important dans le tir. Et là, regardez, l'empereur et le soleil qui représentent le couple. Donc là, d'office, je peux vous dire que oui, il y a effectivement une rencontre qui arrive. Ah, par contre, Marie, vous pensez encore à quelqu'un là, dans votre petite tête là? Ben, non. Non, hein, d'accord, Marie. Non, ben, je suis toute seule depuis un moment, un bon moment. Oui, oui, mais là, hein, place nette, s'il vous plaît. Oui, oui. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord. Ouais. Hein, les souvenirs, vous savez, par moments, quand on est un peu triste ou nette, qu'on est un peu seul, des fois, vous savez, il y a des régressions du passé qui reviennent, comme ça, un petit peu nous tarauder. Nous, les nanas, on est un peu comme ça, parfois. D'accord. Oui, oui, hein, vous savez, on ouvre le tiroir de la table de nuit, puis off. Oui. Il y a bien une vieille photo qui est là, vous savez, le petit mot qu'on a. Oui, on est un peu nostalgique parfois. Bon, ben non, là, on passe de l'eau de Javel partout, c'est fini, il n'y a plus rien, d'accord. Plus rien, oui, oui. Place nette. La personne d'accord. qui arrive, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ça, Marie, c'est sûr. L'empereur, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est un homme vraiment libre, complètement disponible, un peu autoritaire. Hein, hein? Ouais, c'est pas mal. D'accord. Et puis, on a le soleil à côté. C'est quoi le soleil? C'est quelqu'un qui aura envie de construire. C'est quelqu'un qui aura le projet, d'accord, à moyen terme, court terme, moyen terme, de repartir sur une histoire de couple. Comme vous, Marie, comme vous. Ah oui, ça m'arrange. Parce que donc, oui, vraiment bien, vraiment quelqu'un de bien. D'ailleurs, Marie, d'un point de vue des étoiles, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez que vous êtes du signe de la Vierge, je ne vous apprends rien. Mmh. On est bien d'accord. Mmh. Eh bien, encore en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Jupiter, qui est la planète qu'on nommait dans l'Antiquité le grand bénéfique. Il se trouve dans le signe du Cancer, d'accord, en signe d'eau. Eh bien, ce Jupiter qui est le constructeur, qui est vraiment celui qui aide à l'enclenchement favorable et à la réalisation des situations amoureuses ou financières, ben, en l'occurrence pour vous, il vient arriver pour déclencher quelque chose de positif et de constructif par rapport à une histoire sentimentale, amoureuse, etc. Vous voyez ? Donc, la rencontre que vous allez faire, à mon avis, elle arrive avant l'arrivée du mois de juillet, ou en tout cas avant l'arrivée du 15 juillet, vous voyez Marie, hein? Donc c'est une rencontre de, on va dire, de fin de printemps, tout début d'été, que vous amorcez là, sur quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ah oui, mais c'est, Marie, c'est bientôt. Oui, c'est pour bientôt. Il est possible que cet homme, parce que j'ai l'ermite, hein, soit très investi sur le plan... peut-être spirituel, ou peut-être en tout cas d'une démarche fraternelle ou quelque chose comme ça. Hein? Quelqu'un de bien dans ses tripes, avec des valeurs, voyez-vous? Avec des valeurs. Oh, avec oui. des valeurs, d'accord? C'est important ça. Très important. Et c'est un homme qui travaille, un homme indépendant,
Hein, voilà. Et je vous ai dit un petit peu autoritaire, mais bon, c'est pas plus mal, ça, je trouve, quand même. Non. En tout cas, pour vous, à mon avis, ça va vous plaire. Oui, ça va me plaire. Mais oui, Marie. Et puis, n'essayez pas forcément, au départ de la relation, de tout vouloir maîtriser et organiser. Laissez-vous un peu porter par le vent. Okay. D'accord. Parce que ça, c'est dur pour vous, hein, de lâcher prise et de pas tout contrôler. Oui, d'accord, vrai. Levez un peu le pied par rapport à ça. D'accord. Et c'est quelqu'un qui sera très, très bien accepté par vos proches, par la petite famille. Ah, ok. Donc ça, c'est super important aussi pour vous. Vous le savez bien. D'accord, Marie? Oui, d'accord. Marie... Moi aussi, je serai acceptée. Pardon? Pardon? Moi aussi, je vais être acceptée par sa famille. Pour évidemment, vous. Évidemment, ce sera réciproque. Marie, vous allez me donner, j'espère en tout cas, le chiffre de la carte mystère. Allez-y, je vous écoute. Alors, je dirais les 13. Le, vous m'avez dit ? 13. Non, non, ça n'est pas ce chiffre-là. Ça n'est pas ce chiffre-là. Marie, je vous souhaite plein de bonheur et surtout, tenez-moi au courant, bien sûr. D'accord, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. À bientôt, Marie. Au revoir. Bonne soirée. Merci, à vous aussi. Il est 22h, donc nous allons faire une courte pause et nous nous retrouvons tout de suite après avec le 3255. Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. C'est votre émission confidentielle, je suis là, Samaël, pour répondre à toutes vos questions. Alors, vous n'attendez pas, vous savez que dans un quart d'heure à peu près, nous traiterons la question confidentielle. Je vous en rappelle rapidement le principe, un auditeur, auditrice nous appelle, vous n'entendrez absolument pas ni sa question, ni son nom, rien du tout. Par contre, vous entendrez toutes mes réponses, voilà. Mais en attendant, je prends quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? C'est pour une question d'ordre du professionnel, du travail, pour le travail. Pour le travail, quel est votre prénom, s'il vous plaît ? Georges. Georges. D'accord. Georges, votre date de naissance, s'il vous plaît ? 12 mai 56. Le 12 mai, hein, c'est bien ça, Georges ? Oui, 12 mai 1956, oui. 1956. Et vous... Georges, vous êtes à la recherche d'un emploi actuellement ? Oui, la recherche d'un emploi. Alors voilà, j'ai eu plusieurs cordes à mon arc. C'est-à-dire, je peux faire thérapeute. Je peux faire thérapeute, je peux faire compositeur, je peux faire concertiste de piano, donner des leçons de musique, donner des cours de piano. Oui. Ou alors... oui, c'est tout, en somme. Faire la thérapie aussi. Mais je suis embarrassée, je ne sais pas quoi choisir. Oui, alors, vous savez, Georges, je crois que là, il va falloir un petit peu se recentrer. D'accord, hein, oui, Georges ? Il va falloir un petit peu vous recentrer. Parce qu'à force de vouloir tout faire, vous savez ce qui se passe, hein, ben, on ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et puis, je ne sais pas quoi choisir. Et puis tout s'embrouille. Je ne sais pas exactement Georges. Quoi choisir. La bonne voie qui puisse me rapporter quelques de l'argent, un oui. travail, mais je Georges, sais pas Georges, où me diriger. Georges, c'est moi c'est dans les quatre choses que je vous ai proposées. Allô, Georges, Georges. Oui. Georges, voilà. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que il y a une difficulté pour vous, si vous voulez, c'est oui. de développer le côté commercial dans une activité indépendante. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez effectivement de belles compétences, Georges, ça c'est certain, c'est plus que sûr. Seulement, oui. vous n'êtes pas un vendeur, vous comprenez ce que je veux dire ? Non, et je suis pas un vendeur, non. Voilà, donc ça, il faut reconnaître, hein, chacun, on n'est pas fait pour tout en même temps, hein, ça c'est... Oui, ça n'est sûr, pas oui. possible. Donc, si vous voulez, je crois que là, vous auriez tout intérêt à avoir deux filières. La première qui serait quelque chose d'équilibré avec un salaire à la fin du mois. D'accord ? Ça, oui, c'est vraiment oui. la première phase vers laquelle il faut vous engager.
D'accord. J'ai 58 ans maintenant, je vais avoir 58 ans et oui, dans mais... 4 ans je suis à la retraite. Oui, mais il y a encore 4 ans à faire, d'accord Georges? Oui, mais pour trouver un emploi maintenant, mon âge, c'est dur. Non, attendez, on n'est pas des vieux quand même. Je suis plus âgée que vous, moi, franchement. Attendez, je ne suis pas encore foutue quand même. Mais on n'est pas foutus, voyons Georges, allons, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je pense qu'à aujourd'hui, vous mettez ça en avant, mais honnêtement, est-ce que vous avez vraiment cherché tout de suite? Non, parce que justement, vous êtes dans l'hésitation. D'accord, Georges, hein? Oui, ben, c'est-à-dire, j'ai plusieurs choix. Oui, mais Georges, moi, ce que je vous dis, après, vous allez faire ce que vous voulez, Georges, c'est vous qui déciderez. Oui. Moi, je vous dis que, pour le moment, pour gagner de l'argent, hein, pour casser le casse-croûte, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour manger, payer les factures, etc., c'est par un travail salarié, d'accord, même si c'est un petit contrat, même si c'est un petit quelque chose en attendant, d'accord, que vous allez réussir quelque chose. Et ensuite, en parallèle, vous pouvez tout à fait mettre en place quelque chose de l'ordre de vos passions, puisque vous avez plein de cordes à votre arc, d'accord? Hein, puisque vous avez énormément de cordes à votre arc. Donc, vous pouvez tout à fait développer quelque chose en parallèle, d'accord? Hein, d'accord, Georges? Donc vous me conseillez d'un commercial. Non. Justement, non, vous n'êtes pas commercial. D'accord. Ah bon, alors, vous me conseillez parce que dans quoi, dans quel domaine? Écoutez, là, je crois qu'il faut d'abord trouver un petit boulot salarié. Peu importe le domaine, d'accord? Ben, j'ai sur Internet, il y a des propositions de travail à domicile en VDI. Mais pourquoi pas? Essayez. Pourquoi pas, Georges? Pourquoi pas? Hein, mais c'est vraiment un boulot avec la fiche de paye à la fin du mois qu'il vous faut en priorité. D'accord? Georges, vous allez essayer de gagner la consultation gratuite en me donnant le chiffre de la carte mystère. Un chiffre de 1 à 22, Georges. Je vous écoute. Le 8? Non, ça n'est pas le 8. Georges, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage. Tenez-moi merci, au courant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, Georges. Au revoir, merci. Alors, nos amis belges, vous le savez, vous composez le 0-988 126 d'un poste fixe. Voilà. Et bien entendu, vous pouvez, si vous n'osez pas, après tout, appeler et que vous souhaitez une consultation privée. Eh bien, c'est simple. Vous composez le 01 75 75 10 10. Et là, vous passez avec le voyant ou la voyante de votre choix. Si vous souhaitez me parler à moi sur la plateforme téléphonique, c'est le numéro que je viens de vous indiquer, 01 75 75 10 10. Et mon code personnel, je suis Samaël, et mon code, c'est le 1876. Voilà, en attendant, je vous prends en direct à l'antenne. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, votre date de naissance, Sophie, s'il vous plaît? Le 8 octobre 1967. 8 octobre, 8-10-67. D'accord. Quel est votre problème, Sophie? Je vous écoute. Je voulais savoir si j'allais faire bientôt une petite rencontre. Une grande rencontre, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je suis toute seule depuis quelques années déjà. Vous avez, pardon? J'ai dit, je suis toute seule depuis quelques années. Ouais. Mais écoutez, moi je ressors l'arcane sans nom. Oui, je crois que la solitude commence véritablement à vous peser et peser lourd là maintenant. Oui. Regardez, l'arcane sans nom, c'est quand même une carte qui marque. Par contre, j'allais presque dire que l'avantage que vous avez, c'est qu'avec ça, eh bien, vous êtes, vous, complètement libéré du passé. Il n'y a plus rien qui traîne, vous voyez? Non, c'est vrai. Ah ben ça, au moins, c'est pas mal, vous voyez? Ah, ben j'ai très bien, j'ai la tempérance et le monde, effectivement, alors par contre, attention Sophie, ne laissez pas vos craintes envahir le présent. D'accord? Parce que vous voyez, des possibilités de rencontre, je pense qu'il y en a une il n'y a pas très très longtemps que vous avez évincée. Bon, ce n'était pas forcément quelque chose de très sérieux, donc vous avez bien fait. Mais en même temps, attention quand même, parce que vos craintes sont parfois un petit peu sur le devant de la scène. Donc ne soyez pas forcément toujours méfiante, a priori. Voyez-vous, il y a une rencontre nouvelle, ici, j'ai l'empereur, la tempérance et le monde. C'est quand même bien la réalisation. C'est une rencontre que vous allez faire avec des échanges importants, des dialogues importants. Ça peut être des SMS, ça peut être par Internet, ça peut être des coups de fil, ça peut être des choses comme ça. Et c'est ça qui va permettre la rencontre des deux êtres. Voyez-vous, Sophie? Oui. Donc, une belle rencontre. Moi, j'ai un homme qui est... peut-être à peine plus âgé que vous, mais il n'y a pas grande différence, voyez-vous.
Hein, il sera peut-être, allez, 63, 65, quelque chose comme ça. On est sur un homme bien dans ses baskets, solide, qui aura été lui aussi trahi, voyez-vous, et surtout trahi sur le plan matériel. Hein, donc c'est un homme qui aura eu, à mon avis, affaire à quelqu'un de très, très intéressé, voyez-vous. D'accord. Bon, et il y croit. Vous aurez la chance de tomber, comme vous, il aura la chance de vous rencontrer, mais si vous voulez, il y croit. C'est-à-dire qu'il aura vraiment envie de reconstruire, de repartir pour envisager quelque chose. La question qui pourra se poser pour vous deux, c'est avec la tempérance, il y a une notion de distance, d'échange de distance. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, il faudra effectivement envisager l'impératrice, hein, c'est vous, ben, peut-être de déménager ou de savoir où on habite. En fait, ce sera juste, j'allais dire, la question qui se posera à un moment donné pour votre couple. Mais une vraie rencontre, hein, et on va dans une dynamique de vie à deux cette fois-ci. Voyez-vous, parce que je le dis, hein, quand je ne vois pas du tout de vie à deux possible, je le dis, Sophie. Oui, oui, d'accord. Ouais. Mais là, il y a vraiment, sur du moyen terme, une vie à deux qui se profilera à l'horizon. Voilà, mais Sophie. Il y a quelque chose qui dit que c'est une rencontre rapide ou il faut... Que c'est une... Rencontre rapide ou il faut attendre encore un petit peu? Ah non, c'est une... à mon avis, c'est une rencontre qui sera là avant l'automne. Ah oui, c'est une rencontre que vous pouvez faire. Bah, d'ailleurs, le mois d'avril est propice, le mois de juin est très propice, et l'été, bien entendu, avec l'aspect en Lion, va être très, très favorable à votre petit côté balance. Ouais. Hein? Donc ça, c'est pas mal. En tout cas, la transformation, elle est là tout de suite après le passage du bélier. Pour vous, c'est vraiment le gros déclic qui est là. Vous essayez de gagner la consultation gratuite en m'indiquant, j'espère, le bon chiffre de la carte mystère. Allez-y. Le 9. Non, ça n'est pas l'ermite. Voilà. Non. Sophie, à très bientôt et je vous embrasse. Mais merci aussi. Au revoir, Sophie. Au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, il est 22h11, il n'y a pas d'attente du tout, hein. La régie me le précise, vraiment, on passe tout de suite. Vous passez tout de suite, voilà, vous passez tout de suite au 32-55 et la prochaine personne qui appelle passera, bien entendu, avec la question confidentielle, c'est-à-dire que ce sera complètement anonyme. Je ne prononcerai pas votre prénom et vous serez seul avec moi, seul au monde. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Voilà. Donc, je vous demande de couper, si c'est possible, ou de baisser vraiment complètement votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour. Le son. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez bien baissé votre téléviseur. Merci. Oui. Donc, je rappelle le principe de votre appel. Personne ne vous entend. Ah, non, pas encore. Ah, bon, je fais une erreur. Alors, si, donc c'est bon. Alors là, on parle, voilà, devant tout le monde. Allez-y, je vous écoute. Quel est votre prénom? Marie-France. Marie-France. Bon, excusez-moi, j'étais un petit peu dans les... J'avais devancé quelque chose, Marie-France, vous savez. Oui. Voilà. Marie-France, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 12-06-58. 12 juin 1958. Oui. Et quel est le problème, Marie-France? Dites-moi. Côté sentimental. Oui. Bon, là, j'ai une situation de rupture qui vous a éprouvé. Moi, je sors la justice et le choix amoureux, Marie-France. Oui. Hein, donc, si vous voulez, c'est une période pour vous pénible. Mais oui, vous devez absolument sortir du doute, Marie-France. Oui. Hein, vous êtes dans une attente qui n'est pas saine actuellement. Mais ça, vous le savez déjà. Vous le sentez. Oui. On est bien d'accord. Hein. Je crois que là, vous devez trancher sur une situation qui est trop floue, trop incertaine, avec quelqu'un qui, de toute façon, ne se décide pas et ne se serait pas décidé, Marie-France. Oui. Il est temps de passer à autre chose, sur le plan amoureux-sentimental. Oui. Mais vous n'avez pas envie de passer à autre chose? Je voudrais quand même construire quelque chose, quand même. Oui, mais peut-être avec quelqu'un de nouveau, Marie-France. Oui. D'accord?
Oui. Hein, parce que là, moi, je vois un empereur qui arrive dans votre vie. J'ai la carte du monde, voyez-vous. J'ai l'impératrice, donc ça, c'est le couple. Donc, il y a bien pour vous une histoire amoureuse solide, saine, qui est en train de s'annoncer, qui est en train de se préparer. Et vous avez, à mon avis, avant l'arrivée de l'été, ou tout juste en début d'été, la certitude de faire cette rencontre. Oui. Hein, c'est au cours d'un petit déplacement, c'est au cours de peut-être d'une sortie ludique. En tout cas, il y a des amis autour de vous lorsque vous faites cette rencontre, Marie-France. Oui. D'accord ? Oui. Donc, une rencontre qui véritablement vous amène à retrouver l'envie de faire des choses. J'ai le battleur en plus, donc c'est bien quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, Marie-France. Oui. Voyez-vous ? Mais j'avais un prénom, mais je ne sais pas si ça marche. C'est... Allez-y, donnez-moi. Bruno. Et sa date de naissance, vous l'avez ou pas ? Oui, le 31 mars, vient d'avoir 57 ans. D'accord. Je regarde. Non, ça, ça me semble un petit peu difficile. Alors, si vous voulez, pour le moment, moi, j'ai l'impression que Bruno a des peurs par rapport à l'engagement. Voyez-vous ? C'est, oui, voilà. Moi, je le sens pas prêt pour s'engager, Bruno. Voyez-vous ? Ah. D'accord ? Donc, oui, il est attiré par vous. Ça, c'est vrai, par contre. Hein ? Oui. Ça, c'est certain. Voyez-vous ? Hein ? Oui. Il y a vraiment une attirance. Il y a quelque chose de... Hein, même au niveau de la sensualité, tout ça, vous voyez, il y a du pétillement dans cette relation à deux. Donc, ça peut être une relation sympa, vous voyez, hein, mais ce n'est pas la relation sur laquelle vous pouvez poser votre avenir. D'accord. Hein, ça peut être une petite relation consolatrice, j'allais dire. Oui, voilà. Hein, mais ce n'est pas la relation que vous attendez qui va vous permettre d'envisager un couple nouveau. D'accord. D'accord, Marie-France ? D'accord. Bon, vous essayez de me trouver la carte mystère, en tout cas, un chiffre de 1 à 22. Je vous écoute, donnez-moi un chiffre de 1 à 22 pour peut-être tenter de 17. Gagner cette consultation de 10 minutes offerte. Allez-y. Oui. 17. Non, ça n'est pas l'étoile, ça n'est pas l'étoile. Ah bon. Bon, Marie-France, je vous embrasse et vous me tiendrez au courant, d'accord ? D'accord. Bonne soirée, Marie-France. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 22h16 et nous allons faire une courte pause pour se retrouver pour la question confidentielle cette fois-ci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, nous nous retrouvons, vous le savez, au 3255, je suis Samuel, nous nous retrouvons pour la question confidentielle. Allô, bonsoir. Voilà, alors juste peut-être avant, quand même vous rappeler le principe hein, de cette question confidentielle. Donc, vous allez entendre toutes mes réponses, mais par contre, pas du tout la personne qui va nous appeler. Elle appelle de façon complètement anonyme. Vous n'aurez ni son prénom, ni le détail. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. D'accord. Oui, oui. Alors, personne ne vous entend, donc vous pouvez me parler tout à fait librement. Par contre, on entend juste mes réponses, mais il n'y aura aucun prénom de prononcé. Vous êtes dans la consultation complètement confidentielle, complètement anonyme. D'accord ? Alors, quel est son prénom ? Oui. Et sa date de naissance ? Et sa date de naissance ? D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous tracasse ? Oui.
Oui. Bien, écoutez, moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que elle a les compétences vraiment solides pour pouvoir aboutir et évoluer, voyez-vous ? Parce que moi, je vois la réussite qui est là, d'accord ? La carte de l'impératrice nous marque une réussite. En plus, pour elle, c'est comme si c'était une reprise d'études. Oui, mais elle a continué quelque chose d'autre ? Elle a changé de voie à un moment donné dans ses études ? Mais écoutez, c'est peut-être ça le changement, d'accord. D'accord. Mais en tout cas, oui. Bon, mais c'est pour ça qu'il y a le changement qui était indiqué. Il y avait vraiment le grand changement d'indiqué, tout à fait. En tout cas, moi, je vois la réussite, d'accord. L'impératrice, c'est quelqu'un de brillant. Aucun doute là-dessus. Et on a derrière le pape qui marque l'entrée dans la vie active, en plus. D'accord. Donc, c'est une réussite assurée. C'est une réussite assurée. Elle a vraiment... Elle a tous les atouts, en tout cas, pour réussir aujourd'hui. Oui, oui, mais si vous voulez, avec cette carte de l'impératrice, c'est quoi ? C'est à la fois la communication qui marche, à la fois l'oral qui marche. Voyez-vous ? Donc, ce sont des atouts pour qu'effectivement, ce qu'elle fait va être reconnu et entendu. D'accord ? Et il y a ça, si vous voulez. Et elle a tous les atouts pour être appuyée ensuite sur le plan professionnel, puisque dans ce qu'elle fait, il y a une réelle partie professionnelle. Il n'y a pas que la partie études, il y a bien la partie pratique, professionnelle. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une réussite. Hein, et elle aura la récompense à ses efforts. Voilà ce que je peux vous dire. Vous allez essayer de gagner la carte mystère. Donnez-moi le chiffre de cette carte, un chiffre compris entre 1 et 22. Allez-y, je vous écoute. Non, ça n'est pas ce chiffre-là. Ça n'est pas ce chiffre-là. Voilà. Non, vous m'avez dit le 21, mais ça n'est pas ce chiffre-là. Donc, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et bonne chance. Oui, c'est moi, tout à fait. Oui, oui, je suis Samaël. Et voilà, vous m'avez en direct à la télé, tout simplement. Et bien voilà, coucou, je vous fais coucou, regardez. Vous avez vu là, regardez, vous me voyez là? Allez, je vous envoie même un bisou. Voilà, bonne soirée. Samaël. Non, Samaël, Samaël, Samaël. Au revoir, à bientôt. Voilà, bon, quand on est rassuré, c'est bien. Quand on repart comme ça, confiant, c'est tellement mieux, ça fait du bien. Et surtout, surtout, comptez sur moi, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Et vous savez que, je ne mâche pas mes mots. Et quand ça n'est pas la situation dont vous rêvez, je sais aussi vous le dire, même si ça n'est pas forcément facile. Voilà, j'ai peut-être quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Valérie. On s'est eu il y a un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, Valérie. Oui, 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 je me souviens. Ça y est. Valérie, 9360 ? Oui. D'accord, vous voyez, vous n'étiez pas loin, hein, Valérie. Mais moi. Dites-moi, Valérie, alors, qu'est-ce qui se passe là tout de suite ? C'est quoi maintenant ? Votre question. C'est au sujet du travail. Le travail. Qu'est-ce que vous voyez pour moi pour le travail ? D'accord, Valérie, je regarde. Parce que tout à l'heure, on a regardé côté cœur, hein, Valérie. Oui, oui. Voilà. Bon, là, j'ai un gros soleil qui ressort. Donc déjà, ça veut dire que côté cœur, ça va aller mieux. D'accord. Bon, sur le plan professionnel, ça galère un petit peu. D'accord. J'ai la roue, là. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ça ne se développe pas comme vous voulez. Vous voyez, Valérie, pour le moment. D'accord. Hein? J'ai l'arcane sans nom. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Ah, j'ai le monde derrière. Excellente réussite. J'ai le monde et l'arcane sans nom. Moi, je me demande s'il n'y a pas un changement de fonction ou d'activité ou quelque chose comme ça qui est en train de se préparer, Valérie. J'ai l'impression que vous allez utiliser d'autres savoir-faire que ceux que vous avez utilisés jusqu'à présent.
Valérie, non. Ça fait 2 ans que je rame, question travail. Mais écoutez, moi je vois une activité, si vous voulez, Valérie, qui va vous permettre peut-être de complètement renouveler les choses. Et peut-être dans un secteur auquel vous n'avez pas forcément pensé. Hein? Arrêtez peut-être aussi, Valérie, si je peux me permettre, de vous dévaloriser tout le temps et de n'avoir pas assez confiance en vous. Vous avez une expérience qui est riche, qui est très solide, Valérie. Et vous pouvez la mettre en valeur dans un secteur d'activité auquel vous n'avez pas pensé. D'accord. Hein? Moi, j'ai toujours été dans la vente. Hein. Oui, mais c'est peut-être plus forcément ce secteur-là, hein, où il faut peut-être l'aménager avec autre chose. En tout cas, moi, je vois véritablement là quelque chose qui marche, qui vous permet d'évoluer, Valérie, d'accord, avec un petit changement à la clé. Et ça va être quand même assez rapidement ou je dois encore... Oui, alors Valérie, juste si vous pouvez baisser le son de votre téléviseur parce que j'ai un écho qui est complètement de tous côtés, moi. Hein? D'accord. J'ai un retour qui est... Voilà, baissez-moi le son de votre téléviseur, ce serait gentil. Je disais, si vous voyez ça assez rapidement. Écoutez, dans le temps. Vous avez tous les aspects pour que ça se produise là, d'ici maximum la fin mai, le 15 juin. D'accord. Hein, vous avez un très bel aspect de Jupiter qui est actuellement en signe d'eau et qui va très bien avec votre soleil natal, en signe d'eau également. Donc vraiment, ce sont de beaux atouts. Hein? Ça veut dire qu'il faut foncer. Ça veut dire qu'il faut vraiment foncer. D'accord. Okay. Hein? Vous avez la possibilité d'ajouter quelque chose à votre, j'allais dire, à vos compétences, à votre savoir-faire, etc. Mais peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas encore pensé tout de suite. D'accord. Oui, je cherche toujours dans la vente, dans ce que je sais faire, quoi. Oui, voilà. mais peut-être différemment. Pensez-y différemment. Vraiment une porte de sortie là qui est bonne. D'accord, Valérie. D'accord. Essayez de trouver la carte mystère. C'est quand même 10 minutes de consultation offerte. Allez-y, ouais, un chiffre. Ça serait super. De 1 à 22, allez-y. Le 3. Non, ça n'est pas l'impératrice. Le 3, c'est pour vous. C'est la réalisation. Je vous embrasse, Valérie. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est 22h26. Voilà. Nous continuons donc avec le 3255 et la touche de nos amis belges. Vous composez le 0988-126. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Fralia. Fralia, c'est ça? Fralia, avec un S. F-Fralia. Oui. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 4/07/1955. 4 juillet 55. Voilà. Vous êtes du signe du cancer, vous. Alors, dites-moi quel est le problème, quel est le souci? Ben voilà, mon problème sentimental. Oui. Si je veux rencontrer quelqu'un ou... Parce que j'étais avec quelqu'un qui est parti, mais je ne sais pas s'il va revenir ou est-ce que je veux trouver quelqu'un d'autre. Voilà, je veux savoir ça. Ah ben, si vous voulez, là, il y a une chose qui est sûre, c'est que tant que vous n'aurez pas fermé la porte à votre ancien compagnon, il va continuer à faire des allers-retours parce que ça n'est pas la première fois qu'il fait le va-et-vient comme ça. On est bien d'accord. D'accord. Hein? Et comme à chaque fois, vous rouvrez la porte, donc il va continuer. Et tant que ce sera ça, vous ne rencontrerez personne de valable. Ah oui. Eh oui, c'est comme ça. Hein, ça, c'est un et choix. Oui, parce que l'habitude, il ne reste pas trop longtemps, là, cette fois-ci. Je pense qu'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de message, il n'y a pas de rien. Oui, mais là, c'est vous qui devez décider et de mettre les choses en place. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant que vous n'aurez pas envie de trancher sur cette relation, eh bien, à côté, vous ne pourrez pas rencontrer un homme stable. C'est-à-dire que vous aurez des petites rencontres, mais rien d'intéressant, rien de stable. Et il n'y a que vous qui pouvez décider de ça. Oui. D'accord? À aujourd'hui, si vous voulez, il a la voie libre, il fait ce qu'il veut. Il part, puis il revient quelque temps après. Maintenant, il met un peu plus de temps parce qu'il est occupé ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et vous savez très bien par quoi il est occupé ailleurs. Quoi? Je ne sais pas. Franchement, non. Mais il est divorcé, occupé ailleurs, il est Attendez, vous avez envie de ne pas savoir, je suis bien d'accord, ça je peux le comprendre. Non, je sais qu'il est divorcé, mais après je ne sais pas autre, hein. Je ne sais pas autre. Non, que vous ne sachiez pas, mais vous pouvez quand même largement vous en douter.
Hein, on est bien d'accord. Un homme qui vit avec vous, puis qui disparaît comme ça dans la nature pendant quelques mois, franchement, vous êtes bien naïve de ne pas vouloir vous poser les questions quand même, ma très chère. Oui, je sais. Franchement. Voilà. Mais je ne sais pas exactement s'il est avec sa femme, s'il est avec quelqu'un d'autre. Non, mais peu importe avec qui il est, l'essentiel est de savoir qu'il n'est plus avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout que je sais. Voilà, et tant que vous accepterez cette situation, et quand il va venir frapper à la porte, que vous lui ouvrirez encore votre porte, à ce moment-là, ben, effectivement, la situation va durer. C'est vous qui décidez ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Vous avez la possibilité de faire une autre rencontre, mais tant que vous ne serez toujours à cheval sur deux personnes, eh ben vous rencontrerez des hommes qui j'ai sont... Je n'ai pas rencontré. Hein. Si j'aurais rencontré, je pars avec lui, ça non, c'est sûr. Hein. Non, attendez. Je n'ai pas rencontré. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis... Tant que vous serez avec lui dans votre tête... Voilà, dans ma tête, peut-être oui, mais sinon... Tant que vous serez avec lui dans votre tête, tant que vous serez à lui laisser une porte ouverte et de disponible, eh bien, il ne se passera rien de mieux. D'accord ? Donc, à vous de trancher, à vous de décider. Il est et lui, temps... alors, pourquoi, si il est avec sa femme ou avec quelqu'un d'autre, pourquoi il revient vers moi, alors? Oh, ben, parce que quand de l'autre côté, il se fait claquer la porte au nez, ben, il revient, parce qu'il dit qu'il y aura toujours une maison pour l'accueillir. Voilà, hein? C'est pratique pour lui, d'accord? Donc, à vous de décider, à vous de trancher. Allez, vous allez essayer de gagner, peut-être, la consultation gratuite de 10 minutes. Donnez-moi donc la carte mystère, j'espère. Allez-y, je vous écoute. Un chiffre ben, de 1... 15. Non, ça n'est pas le 15, ça n'est pas le 15, dommage. Ce sera pour une autre fois. Je vous souhaite bon courage et tenez-moi au courant surtout. Merci, oui. À bientôt. Oui, au revoir. À bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Il est 22h30, nous nous retrouvons tout de suite après cette courte pause. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons pour votre émission confidentielle. Je suis avec vous. Alors, ben, c'est très simple, le 3255 et la touche 2. Et je vous ai dit que je vous prenais tout de suite parce qu'il y a de la place. Alors, nos amis belges, vous composez le 0-988-126. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Christina. Christina. Oui. Et votre date de naissance, Christina? 5-6-58. 5 juin. 58 oui. Ou 56, Christina? 58. Oui. 58, pardon, excusez-moi. Alors, oui, votre question, qu'est-ce qui se passe, Christina? Dites-moi. J'avais du travail, j'ai mis fin à tous mes contrats et je veux partir, je veux changer de région. Mais je voulais savoir si je vais retrouver du travail ou créer quelque chose, parce que je pars comme ça et... Oui. C'est un petit peu... Ben, je vois là, effectivement, il y a eu le choix qui est fait. De toute façon, le choix est fait, donc on ne peut pas revenir oui. là-dessus. C'est fait. Non. C'est décidé, Christina. Allez, oui. Hop. La transformation, j'ai l'arcane sans nom qui est là. La décision, le choix, il est fait. Et vous avez tranché, j'ai la justice en dessous. Paf, on rompt les contrats, on arrête tout, c'est fini. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, Christina, c'est que finalement, vous êtes libre comme l'air. Vous voyez? Oui. Un autre avantage que vous avez, c'est que effectivement vous n'avez aucune contrainte, d'accord? L'arcane son nom est passé par là, c'est-à-dire que vous pouvez partir demain, après-demain, enfin je veux dire, voilà, vous êtes complètement libéré, d'accord? Moi, j'ai pas trop de crainte pour vous parce que avec l'impératrice, je vous vois effectivement deux étapes. La première étape, c'est un petit boulot, trois sur un chemin nouveau. Donc oui, vous changez de région, voyez? Et la première étape, ça va être un travail que vous allez trouver, un petit job, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, c'est ça qui
pour me faire vivre, mais que oui, j'aime pas ça, spécialement. C'est le travail alimentaire. D'accord. Mm-hmm. Mais d'accord. Vous allez très bien vous débrouiller. Il se peut d'ailleurs que dans ce travail, il y ait des petits déplacements. Voyez-vous hein, des petits mouvements, des petits déplacements. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Vous voyez, j'ai des petites images qui me viennent comme ça. Est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas quoi, livrer des médicaments? Est-ce que ça pourrait être... Vous voyez, un peu n'importe quoi. Hein, je vous donne des c'est idées pas dans comme l'immobilier, ça. Des fois. Mais en tout cas, je vous vois beaucoup vous déplacer en voiture. Vous voyez? Beaucoup de déplacements. Hein. Et ensuite, il y a autre chose qui se fera et qui sera effectivement une notion de création. Mais ça prendra un petit peu de temps. Ah. Ce ne sera pas tout de suite la deuxième phase. D'accord? Oui. Hein? Oui. En tout cas, pour vous, il y a une véritable renaissance. Mm-hmm. Du plaisir à être là où vous allez être. Ça, c'est sûr, Christina. Mm-hmm. Hein? Donc, il y a vraiment comme si vous réalisiez un vœu sur le plan vraiment de l'endroit où vous allez, sur le plan de ce déménagement, sur le plan de ce changement de vie. Vous savez, je crois que pour vous, c'était temps de toute façon de tirer un trait à des années de galère. Je crois que là, ça y est, vous fermez la porte au passé. Hein? Donc, ben voilà, oui, le renouveau arrive et partez sans crainte parce qu'il y a bien une première étape alimentaire, certes, mais qui, ma foi, vous permet de rebondir très favorablement. D'accord. Et si, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, et sentimentalement, il va se passer du bien ou... Alors, non, je suis obligée de ne répondre qu'à une seule question. Ah, mais en tout cas, n'oubliez pas que l'impératrice, si vous voulez, nous dit que c'est une vraie réalisation. D'accord? Ça, c'est important. Vous nous rappellerez en attendant, peut-être essayez donc de gagner la consultation gratuite avec la carte mystère. Oui, mais je n'ai pas trop suivi, alors je suis un peu perdue. Un chiffre de 1 à 22, allez-y. Oui, je veux dire le 7. Non, ça n'est pas le chariot de la victoire, ça n'est pas le 7, le chariot de la victoire, c'est pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me rappeler, il y a de la place. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Il est 22h36, donc pas d'attente du tout ce soir, hein, on me le dit là en région, on me le précise. Le 32-55 et la touche 2, c'est pour vous. Vous pouvez appeler tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Julia. Julia? Julia. Julia, d'accord. C'est avec un Z-U-L-E-Y-H-A. D'accord. Y-H-A. Très bien. Votre date de naissance? Le 22 août 85. Très bien. Quel est le problème? Quel est le souci, dites-moi? Oui, en fait, moi, c'était pour une question sentimentale. Oui. C'est que je suis avec quelqu'un, ça fait longtemps. Oui. Et en fait, je voudrais savoir s'il y a le mariage entre lui et moi. D'accord. Quel est le prénom de cette personne? Fatih. F-A-T-I-H. T-I-H. Et sa date de naissance, si vous l'avez? Le 23 août 1988. Alors, moi j'ai la carte du monde ici avec le pendu. C'est-à-dire que dans cette relation, vous êtes dans l'attente depuis déjà très longtemps qu'il y ait des promesses qui s'installent. Oui. C'est-à-dire que la relation existe, voyez-vous, le monde, c'est quand même une belle relation. Hein? C'est une relation... En fait, c'est une relation à distance, oui. On peut dire ça. Oui, mais c'est une relation sincère, si vous voulez, voyez-vous, dans les échanges, on est bien d'accord, mais c'est une relation d'éternelle attente. Oui. Hein? Donc, c'est une relation qui ne peut pas se concrétiser. Vous voyez, c'est une relation qui ne peut pas se concrétiser. C'est une relation qui n'a pas d'aboutissement réel, concret. Hein? Oui. J'ai l'ermite et l'arcane sans nom. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réalisation vraie, solide, au bout du compte. Ah, d'accord. Donc vous pouvez continuer à échanger, mais c'est quand même pas une relation amoureuse très, très... On est dans le virtuel un petit peu, là, quand même. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup consulté.
Oui, mais attendez, ce que j'appelle moi une relation virtuelle, c'est une relation où on ne vit pas ensemble. C'est une relation où on ne peut pas se voir. C'est une relation où on ne peut pas se rencontrer. Vous comprenez ? Hein ? Et actuellement, votre relation, c'est ça. Oui. Et ça fait longtemps que c'est ça, votre relation. Oui. Donc, c'est ce que j'appelle une relation virtuelle. C'est-à-dire, on échange, on peut écrire, on peut communiquer, même si c'est avec la caméra, même si c'est comme ça. Mais il n'y a pas, on ne se voit pas réellement. On ne peut pas se donner la main, on ne peut pas se faire un bisou. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien oui, donc c'est bien une relation virtuelle. Oui, ah, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le mariage. Ah ben là, le mariage, il n'est pas vraiment inscrit, hein, là. D'accord ? Non. Non, non, le mariage n'est pas inscrit, là, du tout. Et ça continuera longtemps qu'on soit ensemble. Mais si vous voulez, tant que vous continuerez à accepter cette relation virtuelle, ben, ça pourra continuer comme ça. Ah, d'accord, il n'y aura pas d'aboutissement. C'est à vous, peut-être aujourd'hui, de taper un peu du poing sur la table et puis de dire, moi, je veux continuer que si on a un vrai projet ensemble. Oui. D'accord. Et en fait... Niveau sentimental pour lui, qu'est-ce qu'il ressent ? Donc, il y a des sentiments, mais pour lui, de vous parler comme ça à distance, ça peut lui suffire. Vous comprenez ? Ça peut lui suffire. Et comme pour vous, pour le moment, ben, ça semble vous suffire aussi, ben, après tout, tout va bien. Vous comprenez ? Donc, donc, c'est à vous peut-être de dire, ben, écoute, moi maintenant, j'ai envie d'autre chose, je veux qu'on se voit et je veux qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Oui, mais en fait, justement, le problème est là. C'est que moi, je suis en France. Oui. Et lui, il vit en Turquie. C'est que moi, je ne peux pas tout le temps y aller et lui, il ne peut pas venir. Bien sûr. Moi, je vous dis que cette relation ne peut pas aboutir, que ça reste une relation virtuelle, d'accord, et que vous auriez tout intérêt à voir ailleurs ce qui se passe. D'accord. D'accord. Voilà, moi, je ne peux pas être plus claire que ça avec vous. D'accord. Voilà, vous allez essayer de gagner peut-être la carte mystère. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Ce sont quand même 10 minutes de consultation qui vous sont offertes. Oui, alors, je vais faire le 8. Non, ça n'est pas le 8, ça n'est pas la belle carte de la tempérance. Je vous souhaite plein de belles rencontres, en tout cas, et surtout, tenez-moi au courant, d'accord ? D'accord. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est 22h41. Facile pour me joindre, vous appelez tout de suite le 3255, la touche 2, et vous passez immédiatement et sans délai à l'antenne. Alors là, il va falloir baisser tout de suite le téléviseur, s'il vous plaît, pouvez-vous baisser le son ? Ah, ça y est. Allô ? Merci. Ouh là là, ça y était. J'avais le téléviseur dans les oreilles, c'était terrible. Allô ? Oui, allô, bonsoir, allô, allô. Oui, bonsoir Samaël, je suis Nadine. Oui, Nadine. Merci. Voilà, je vous appelle. Je suis née le 22 juin 1948. Attendez, Nadine, vous pouvez baisser le haut-parleur ou quelque chose comme ça ? Vous avez un haut-parleur ? La télé est baissée. Voilà. Vous n'avez pas de haut-parleur dans le téléphone ? Non, pas du tout. Là, elle n'est pas mise. Enfin, je ne l'ai pas mise. Oh, ben c'est parfait. Alors, Nadine, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 22 juin 48. D'accord, 22 juin 1948. Quel est le problème, dites-moi, Nadine ? Alors, allez. C'est pour les sentiments. Oui. J'aurais voulu savoir si vous me voyez une rencontre cette année. D'accord. Alors, voyons voir. Bon, le pape. Vous faites un petit voyage cette année ? Il y a un petit voyage de prévu, Nadine ? Pas encore. Moi, j'aimerais bien, mais bon, c'est pas encore prévu. Ah, mais moi, je crois qu'il y a un petit voyage. Il y a un petit voyage. Dans l'air. Ah oui, il y a un petit voyage dans l'air. Il y a une relation nouvelle dans l'air. Bon, il y a plein de choses qui sont en train de bouger pour vous. Alors, il est possible, attention Nadine, que vous ayez quelqu'un du passé qui essaye de revenir dans votre vie. Oui, mais alors ça, oui, je sais, on m'a déjà dit plusieurs fois. Nadine, mais je ne tiens pas à repartir avec cette personne qui m'a fait souffrir et qui n'a pas donné satisfaction. Tout à fait. Là, vous faites le ménage. Cette personne, j'allais vous le dire, n'est pas du tout intéressante pour vous. Du tout. On est bien d'accord. J'ai la maison Dieu, le pendu. Vous balayez ça, on n'en parle plus. D'accord. D'accord. Moi, j'ai le battleur ici pour vous, d'accord. Oui. Le battleur, ici, la justice et la force,
effectivement, il y a une rencontre nouvelle qui arrive. Moi, je la situe à peu près d'ici la fin septembre, maximum octobre, voyez-vous. C'est oui. une rencontre, oh, magnifique rencontre, parce qu'elle sera à la fois sensuelle et solide. D'accord ? Oui. Hein, j'ai le soleil et le diable qui nous indique effectivement de la vraie tendresse, de la tendresse pétillante, de l'amour, de la sensualité, etc. Donc une jolie rencontre qui va tout doucement s'épanouir et vous permettre effectivement d'envisager autre chose dans votre vie. Alors, la dernière fois que je vous ai eu, vous m'aviez dit que j'allais rencontrer quelqu'un en juin. Juin, début juillet, peut-être. Là, maintenant, vous me dites fin septembre, octobre. Maximum. Non, non, je vous dis maximum fin septembre, octobre. Mais effectivement, la période, c'est bien la période qui démarre en bélier. C'est-à-dire, oui. on est même dans cette période-là dès le mois d'avril. D'accord ? Oui. Ça ne veut pas dire que vous allez le rencontrer pile poil au mois d'avril. Ça veut dire que la période commence au mois d'avril. D'accord, d'accord. C'est ça. Elle peut se faire n'importe quand, alors aussi bien mai que juin, que juillet. Tout à fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que vous avez une très longue période qui vient des aspects que vous avez ici qui vous sont très favorables. Vous savez que Jupiter est dans le signe du cancer, qu'il va y rester un bon petit bout de temps et que ça favorise pour vous la rencontre. D'accord ? Ensuite, il rentre en signe de feu et c'est pareil. Ben voilà, ça voilà, vous parce est... que j'ai eu plusieurs de vos collègues. Alors, l'une m'a dit en automne, l'autre m'a dit au printemps 2015, jusqu'au 22 juin 2015. Alors, je me suis dit, ça fait long quand même. Non, non. Quand on est dans vous la avez... solitude, qu'on vous annonce que ce sera que dans voilà. un an, vous avez... ça paraît quand même long. Non, vous avez là, sur cet espace, j'allais dire en deux temps, 4 mois à peu près, une belle période pour faire une rencontre nouvelle. Voilà, d'accord. Ça c'est certain. Et elle sera bouclée pour vous pour septembre-octobre. En tout cas, à cette période-là, vous saurez que vous êtes amoureuse et qu'il est amoureux. Voilà. Hein, ça ne veut pas dire qu'on sera en train de partager les casseroles quand même. N'allez pas trop vite en besogne. Non. D'accord ? On ne va pas tout de suite ensemble. Voilà. Vous allez essayer de gagner la carte mystère. Allez, donnez-moi le chiffre entre 1 et 22 pour remporter ces 10 minutes de consultation offertes. Allez-y. Alors, le 5 ? Non, ça n'est pas ce chiffre-là. Ah, dommage. Je vous embrasse. Merci, voilà. Merci Samaël. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà. Oui, merci. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, Samaël. Il est 22h46. Nous continuons notre émission et vous pouvez toujours appeler au 3255 avec la touche 2. Vous savez que vous passez là en direct, tout de suite à l'antenne. Alors, nos amis belges, vous composez le 0988 126 d'un poste fixe. Allez-y, l'antenne est à vous, bien entendu. Allô, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Rosa. Rosa, oui. Votre date de naissance, Rosa? Le 11 février 94. 11-2-94. Oui. C'est ça? Le 11 février 94. Oui, c'est ça, 11 février 1994. Alors, dites-moi, quel est le souci? Qu'est-ce qui vous préoccupe, Rosa? Alors, moi, ce qui me préoccupe, vu que je voudrais passer mon permis, ça serait pour savoir si je l'aurai ou pas. D'accord, le permis de conduire, Rosa, c'est ça? Alors, il y a l'ermite, j'ai le soleil. Alors déjà, si vous voulez, avec l'ermite et le soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes consciencieuse et que je pense que vous travaillez pour l'avoir, votre permis. Vous voyez? Oui. Hein, il y a vraiment tous les efforts qui sont faits, qui sont déjà commencés. Hein, parce que, je veux dire, là, vous êtes déjà dans les leçons, dans tout ça, actuellement. Oui. Vous avez commencé, déjà, largement, bien comme il faut, même. Donc, si vous voulez, vous avez absolument tous les atouts pour que ça marche. D'accord ? D'accord. Alors, là, le petit point qui pourrait vous faire éventuellement rater, c'est quoi ? La première fois, en tout cas, c'est l'ermite. L'ermite, ça veut dire quoi ? L'ermite, ça veut dire que vous doutez, vous avez peur. Oui, c'est vrai. Vous craignez vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que vous connaissez votre code comme il faut, vous avez les heures de conduite, vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche. D'accord. Donc, et en plus, d'un point de vue des planètes, ben vous êtes plutôt bien aidé par le vent actuellement et par le soleil. Donc bon, c'est peut-être le moment justement de vous lancer. C'est peut-être le moment de vous lancer. En tout cas, moi, je peux vous dire que 3 et 3, 6, donc vous avez la certitude d'avoir une réussite,
D'ici, je pense, maximum, ce sera quoi, le mois de septembre à peu près? Ah, j'aimerais bien. Ça va être, oui, ça va être cette période-là maximum. Nous sommes au mois d'avril, on vient de commencer avril. Hein. Oui. Avril, mai, juin, juillet, août, c'est ça, août, septembre, c'est ça. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, c'est une période tout à fait favorable. Et en plus, elle annonce de grands changements pour vous. Hein. Le permis de conduire annonce, d'autres grands changements pour vous. Donc, vraiment, Rosa, j'ai confiance, le permis de conduire, c'est in the pocket. D'accord. D'accord. Rosa, vous allez me donner le chiffre peut-être de la carte mystère, je le souhaite en tout cas. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, Rosa. Allez-y. Le chiffre 3. Le 3, non, ça n'est pas le 3. Le 3, c'est l'impératrice, mais ça n'est pas le 3 qui est ici. Rosa, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Tenez-nous au courant surtout. D'accord, très bien, merci, au revoir. Au revoir, Rosa. Il est 22h49, nous nous retrouvons après une courte pause au 32-55. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 32-55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 32-55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 32-55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons pour cette première partie de soirée avec la dernière consultation avant la question répondeur. Et puis, bien entendu, vous savez que nous nous retrouvons un petit peu plus tard dans la soirée. Voilà, à partir de minuit, je serai là pour vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Christina encore. Christina. Ah, mais écoutez, Christina, oui, ça me fait plaisir parce qu'au moins, ça prouve que ce que je dis est vrai et qu'on peut passer plusieurs fois et qu'on n'a pas trop d'attente. Oui, aujourd'hui, non, pas trop d'accord. Voilà, c'est quand même sympa, ça. Alors, Christina, 5 juin 58. Voilà, c'est ça. Alors, je passe à ma seconde question qui est sentimentale. J'aimerais savoir ce qui va se passer un petit peu. D'accord, on va regarder ça. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, déjà, j'ai la carte de la Lune. Alors ça, la Lune, c'est... Voilà. La Lune, si vous voulez, c'est une carte qui nous parle d'émotions passées, qui nous parle du passé, qui nous parle... Voilà. Donc là, vous êtes en train de fermer la porte définitive au passé et le soleil arrive. Le soleil, c'est quoi? C'est déjà l'envie de vivre. D'accord? L'envie de vivre quelque chose de nouveau, le soleil, avec la réalisation. Ici... la papesse, bon, ça met un petit peu de temps, vous voyez. Parce que moi, je me demande quand même si, tout en ayant fermé la porte du passé, parce que vous savez qu'il le faut, vous en êtes bien consciente quand même de ça. Hein? Et en même temps, c'est comme si vous... Il y a un petit tiroir qui est là, qui s'ouvre sur quelqu'un du passé, sur des pensées que vous avez encore par rapport à quelqu'un. Christina. Je suis avec quelqu'un, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas fini, hein. Alors c'est pour ça, mais je sais pas où on va, quoi. Trop. Oui, c'est pas fini, mais me dites pas que vous êtes dans une relation très épanouissante actuellement, hein. Il y a pas, si vous voulez, vous êtes dans une relation qui quelque part vous laisse toute seule. Vous voyez, oui. Hein. Je veux dire, ce que je vois, moi, je vous dis ce que je vois, ce que je ressens. Effectivement, mais c'est comme si vous étiez seule. Vous n'êtes ni épanouie, ni heureuse, ni sûre que ça va durer, ni rien. Vous voyez? Alors, en plus, moi, je vois quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Voyez-vous? Il est là et en même temps, il est ailleurs. Il est où? Vous comprenez ce que je veux dire, Christina? Hein? Donc, ben voilà, quoi. Alors, il faut aller à la pêche. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est, voilà. Après, si vous voulez... Moi, je vous dis que vous avez la possibilité, si vous voulez, de passer à quelqu'un d'autre, de passer à autre chose, effectivement. Mais pour le moment, votre esprit, lui, il est encore un petit peu dans les prises de cet amour-là, qui est un amour difficile à vivre, qui est un amour peu épanouissant et un amour, en fait, qui ne laisse pas de place pour l'avenir. Donc, de l'amour
Pour aujourd'hui, ma foi, oui, de temps en temps, hein, quand ça s'y prête, mais en sachant que vous ne pouvez pas, Christina, envisager de construire un avenir avec. La et seule chose que j'arrête alors que je lui dis c'est terminé. Ou... Mais c'est vous qui allez décider. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est-à-dire que avec cette personne, vous ne pouvez pas envisager un avenir. Vous comprenez? On est sur au jour le jour. Voilà. Et donc, tant que vous ne voudrez pas lâcher ça, ben, effectivement, il ne va pas se passer grand-chose à côté. Ouais. D'accord, Christina? Et ça ne va pas le faire réagir, justement, si je lui... Non, 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 pas plus que ça. Non, non, pas plus que ça. Pas plus que ça, parce qu'il n'est pas dans des dispositions à tout engager dans sa vie pour, ben, effectivement, vivre en couple, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'il a projeté actuellement. Mais ça, vous le savez. Enfin, je veux dire, je ne vous apprends rien, quand même. Non, non, vous ne m'apprenez rien. Voilà, hein. Alors, j'ai le soleil et le monde pour vous, d'accord? Ouais. Le soleil et le monde, c'est ce qui est possible de vivre, vous voyez? Mais ça n'est pas du tout toutes les cartes que j'ai en haut qui présentent la relation actuelle où vous êtes seul. Pour moi, vous êtes seul. Vous voyez? Oui, parce que, bon, enfin, je sais qu'il tient à moi, mais c'est vrai qu'il ne veut pas s'engager. Mais croyez, peut-être que s'il avait un électrochoc, il se bougerait. Mais tentez-le, tentez-le l'électrochoc, d'accord? Puis vous me donnerez le résultat, Christina. Oui, j'ai trop peur de le perdre. Ah ben voilà, tout est là, d'accord? Hein? Vous savez, moi, quand j'ai des pierres dans ma poche, je n'ai pas peur de les perdre, d'accord? Christina, vous me donnez un chiffre demain à 22 et on essaye de gagner la carte mystère. Allez-y. 18. Non, ça n'est pas la lune. La lune, ce sont vos pensées. Alors, il fallait trouver tout simplement la carte numéro 1, le battleur. Ah d'accord. Voilà, c'est le démarrage, c'est la nouvelle vie. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. Et puis, bien entendu, je vous retrouve tout à l'heure à minuit. Au revoir et bonne soirée. Il est 22h55 et tout de suite, nous faisons notre question répondeur. Oui, bonjour, mon nom est Chantal, je suis née le 23 février 54 à Paris, je vis à Paris et ma question est à propos de mon avenir professionnel. Merci. Bien, eh bien Chantal, j'espère que vous nous écoutez pour écouter votre réponse, que vous nous entendez, pardon, pour écouter votre réponse. Donc, il s'agit d'une question professionnelle pour vous, Chantal. Vous êtes née le 23 février 1954. Et je regarde avec les tarots ce qui se passe. Excellente carte, c'est le battleur. Le battleur, c'est vraiment la carte numéro 1 qui est associée au travail, qui marque la compétence, la volonté, les outils que vous avez déjà pour pouvoir avancer sur le plan professionnel. Ici, la papesse nous indique effectivement un contrat, mais qui est peut-être un contrat précaire hein, ou quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. Donc, il y a encore des démarches, il y a encore des hésitations, des doutes, hein, la roue, si vous voulez. On est dans une période qui peut s'étirer encore, peut-être 2-3 mois, d'accord, avant de retrouver le soleil, c'est-à-dire l'accomplissement dans le domaine professionnel. Donc, votre vie professionnelle n'est pas du tout terminée, bien entendu, Chantal, bien au contraire, hein, puisqu'il s'agit effectivement de redonner un coup de collier et peut-être justement d'avoir des exigences un petit peu différentes. Hein. Moi, je pense que vous n'êtes pas allé au bout de ce que vous pouviez attendre ou demander, etc. Et peut-être qu'il y a un pas à franchir que vous n'avez pas peut-être encore osé faire. Donc, allez-y, foncez, vous avez là une belle récompense qui vous attend. Hein, bon, c'est vrai que lorsque je dis 3, 4 mois, voire même 5 mois maximum, avec le soleil à la clé, franchement, c'est quelque chose de bien. Dans votre job, c'est pas impossible qu'il y ait des aspects qui touchent l'aspect juridique, légal, et également peut-être des aspects liés à l'étranger. Donc ça peut être peut-être par l'entreprise elle-même, peut-être par des échanges, hein, qui peuvent aller outre-mer, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai passé un moment fort délicieux avec vous. J'espère que vous avez été heureux de pouvoir poser vos questions comme ça en direct. Pour ceux qui veulent se coucher un tout petit peu plus tard, on se retrouve tout de suite après minuit. Sinon, bien entendu, vous savez que je serai encore avec vous demain, même heure, même endroit.
À très vite, à bientôt et peut-être à tout à l'heure pour les couches tard. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.